C'est au travers de ton sang, le sang de ton fils Jésus, que nous approchons de toi, Seigneur. C'est le seul moyen que tu as pourvu, Seigneur Jésus, pour l'homme. Et c'est la seule chose, Seigneur, que toi tu agrées, le sang. Seigneur Dieu Tout-Puissant, pardonne nos fautes, oh Dieu. Lave, Seigneur Dieu, de gloire nos péchés. Au travers du sang de ton fils Jésus qui a été versé à la croix, Seigneur Dieu. Père éternel, tu es en train de nous enseigner ces temps ici sur la stature de l'homme parfait. Seigneur, l'objectif que tu veux atteindre, c'est que nous serons ton reflet sur cette terre. Voilà pourquoi, Seigneur, tu nous enseignes comment nous pouvons grandir jusqu'à atteindre la perfection de notre foi, Seigneur. Ajouter à la vertu, et la vertu, la connaissance, la tempérance, et la tempérance, la patience, la piété, et de la piété, Seigneur, nous voulons voir l'amour fraternel, le Saint-Esprit lui-même. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voulons vraiment reprendre à zéro, Seigneur Dieu. Oubliez toute notre expérience où nous pensons être remplis du Saint-Esprit, mais agissant comme le monde, parlant comme le monde, pensant comme le monde, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce n'est pas ce genre d'individu que toi tu viens former dans ce monde. Tu veux former des hommes qui te ressemblent, des hommes qui n'ont pas de péché. Oh Dieu Tout-Puissant, un peuple qui n'a pas de critiques, un peuple, Seigneur Dieu de gloire, parfait. Seigneur Dieu de gloire, aide-nous, Seigneur Dieu. Comme Seigneur, celui qui frappe l'or, il frappe sur l'or, bien que ça fait mal, Seigneur Dieu, mais l'objectif, c'est que l'or puisse refléter c'est lui qui frappe sur lui. Seigneur Dieu Tout-Puissant, c'est ce que tu es en train de faire avec nous. Bien que tu es dur, Seigneur, bien que ça nous fait mal, mais tu veux voir ton reflet en nous. Voilà pourquoi tu nous parles. Aide-nous, Seigneur Jésus, à saisir cela et à accepter afin de grandir avec la parole. Nous attendons à toi. Parle-nous au travers de ton serviteur et sois avec nous début jusqu'à la fin de ce que tes enfants qui sont venus avec des problèmes sortent avec des solutions. Que ceux qui sont venus malades trouvent leur guérison. Seigneur Dieu de gloire, parce que c'est à la croix que tu as tout accompli. Nous attendons à toi, Seigneur Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Mon âme, beau soleil brille, son rayon doux et joyeux répand un éclat qui scintille, c'est le sourire des dieux. Oui, oh quel beau soleil dans mon âme, il resplendit. Ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Oui, oh quel beau soleil dans mon âme,
et resplendit, illuminant tout. Oh, à ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Mon cœur était plein de ténèbres quand parut un jour nouveau. Devant un soleil si beau, oui, oh, quel beau soleil est dans mon âme, il resplendit, illuminant tout. Oh oui, à ses rayons, mon cœur s'enflamme, et je vais chantant partout. Éclatant louange pour tout le soleil à lui. Oui, moi, je serai parmi les phalanges qui loueront de jour et nuit. Oui, oh, quel beau soleil est dans mon âme, il resplendit. Je vais chantant partout. Oui, oh, quel beau soleil dans mon âme. Il resplendit, illuminant tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme. Et je vais chantant partout. Oh, quel beau soleil est dans mon âme, il resplendit, illuminant tout. Oh oui, à ses rayons, mon cœur s'enflamme, et je vais chantant partout. Je regarde au loin, au-delà du Jourdain, venant m'amener à la maison. Une cohorte d'anges qui vient après moi, oh, venant m'amener à la maison. Oui, descend, oh, descend, doux chariot, venant m'amener à la maison. Descend. Si tu entrais là-bas avant mon arrivée, venant m'amener à la maison. Dis à tous mes amis que je viendrai aussi, venant m'amener à la maison. Oh, descends, oui, descends, chariot, venant m'amener à la maison. Oh, descend, oh, descend, doux chariot, venant m'amener à la maison. Oui, si tu entrais là-bas avant mon arrivée, venant m'amener à la je viendrai aussi, venant m'amener à la maison. Oh, descend, oui, descend, chariot, venant m'amener à la maison. Descend, oh, descend, doux chariot. Sois l'obi qu'on a
kati na Yesu Ejali ko na moto na moto Kotalela moninga na yote Ezali etumba ya molimo na okolo na ye Na ye pona lolendo kolongai na ye Oh kolo kolo na ye sunga bomoi nanga Yesu banana yo moko kolo kamba bango kolo nangai na kosala nini makanisi nanga ebendiliwa kolo na sengi yo molimo na yo Ekambanga na bandi kona kolo ngai na ye kona loli kolo ngai na ye o kolo kolo na ye sunga bomoi nanga Yesu banana yo moko kolo kamba bango Lobana yende longa na yo Tika bilulela ya pamba ya mokili Ikampiko kolo abyangi Kolo ngai na ye Kolo ngai na ye Kwete yo kamba Kolo, kolo na ye Bomoi nanga Yesu Kolo ngai na ye O kolo ngai na ye O kolo kolo na ye Sunga bomoi nanga Yesu Moko kolo kamba bango Kuhimba na njela kome mabato Kuna na epulusu elonge jali Panti minge zo kisi kolo ayebi Ajali kokamba pena bilie Kai naliki komona komona yesu Na yemba Seko kolo na ye o Nanjela na lola koye pela ye Bikumba esili nabiki sami Kaina liki Komo na yesu na yembande seko Kolo na ye o Nanjela na lola Koye mbela ye Bipumba esili Nabikisami Tango mikakatano Ekoye langai Mobikisi ye moko Ako batela Ye moko ako kambanga Ya wanase Simana kokoma Kunana lola Kaina liki Komo na yesu na yembane seko Kolo na ye Nanjela na lola Koe mbela ye Bikumba esili na bikisami Kaina liki Komo na yesu Komo na Yesu na yembane seko Kolo na ye Nanjela na lola Koe mbela ye Bipumba esili Nabikisami J'aime Jésus J'aime Jésus J'aime Jésus Qui soit loué, Amen
j'aime Jésus, qui soit loué, amen. Jésus qui soit loué, Jésus qui soit loué, oh qui soit loué, alléluia, qui soit loué, Jésus qui soit loué, Jésus qui soit loué, oh qui soit loué, alléluia, qui soit loué, Yesu aku mama, Kolo aku mama, Yahweh aku mama, alléluia aku mama, fous-moi tumbi shibwe, fous-moi tumbi shibwe, oh a tumbi shibwe, alléluia tumbi shibwe, Bwana asifiwe, Mungu asifiwe, oh asifiwe, alléluia asifiwe. Je crois que nous sommes heureux d'être ici ce soir. Parce que nous venons ici pour écouter la parole de Dieu. La chose la plus importante au monde. Dans tout l'univers. C'est entendre la voix de Dieu. C'est entendre la parole de Dieu. C'est plus que gagner le monde entier. Et ce soir, nous allons écouter notre frère qui vient de la Belgique. Le pasteur Eddy Simbo Okito. C'est lui qui va nous apporter la parole de Dieu. Alors, je demande à Frère Aaron de chanter encore les cantiques pour appeler le prédicateur. Je ne cesse de le dire. Nous ne venons pas ici pour voir des hommes. Nous venons ici pour écouter la parole de Dieu. C'est ce qui sort de la bouche du prédicateur que nous nous réservons. Et Dieu ne fait exception des personnes. Nous ne comparons pas des prédicateurs. Nous écoutons ce que Dieu nous dit. Amen. Amen. Alors nous allons chanter pour appeler le prédicateur. Jésus a une table où les saints des dieux sont nourris. Il invite son peuple et lui vient dîner. Il nous nourrit de sa main, pourvoit tous nos besoins. C'est bon de souper avec lui tous les temps. Viens dîner, le maître appelle, viens dîner. Oh, alléluia, tu peux fêter à sa table tous les temps, tous les temps. Lui qui a nourri la foule, échangé des lots. Appelle à la famille, viens dîner, oh viens dîner, le maître appelle, viens dîner, oh alléluia, à sa table tous les temps, lui qui a nourri la foule, échangé de l'eau en vin, il appelle à la famille, viens dîner. Les disciples débarquèrent en obéissant à Christ, car le maître les appela, viens dîner. Là, ils trouvèrent leur désir, pain et poisson sur les feux, ainsi satisfait-il toujours la famine. Oh, viens dîner, le maître appelle, viens dîner. Oh, alléluia, tu peux fêter à sa table tous les temps, oh, tous les temps. Lui qui a nourri la foule, échangé des lots en vin, il appelle la famille. Viens dîner, viens dîner, le maître appelle, viens dîner. Oh, alléluia, à sa
tous les temps, lui qui a nourri la foule et changé de l'eau en vin, il appelle la famille, viens dîner. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous amène la salutation de mon église de Bruxelles. Vision Tabernacle. Vision Tabernacle. Et aussi de ma famille. Je suis dans la joie de me trouver au milieu de vous. Avant de venir ici à Kin, j'avais déjà fait mon programme que je viendrai communier avec vous. Mais quand je suis arrivé à l'aéroport, j'ai rencontré aussi mon frère Racheté. Il m'a aussi invité chez lui. Donc je lui avais réservé la semaine passée. Et comme j'avais parlé au pasteur, je lui avais dit je viendrai la première semaine et la dernière semaine. Amen. C'est pour cela que je suis vraiment dans la joie au milieu de vous. Et je remercie les pasteurs de m'avoir accordé l'opportunité, le privilège de vous parler. Et je me sens vraiment petit au milieu de vous. Quand je vois des hommes de Dieu comme le pasteur Kalumbu, qu'ils ont travaillé pendant longtemps, j'ai beaucoup de respect pour cela. Et je sais que vous êtes aussi les saints de Christ. Et j'ai beaucoup de respect aussi pour le peuple de Dieu. Et je crois que le Seigneur vous parlera aujourd'hui par un vase indigne. Amen. Amen. Donc ça fait, j'ai commencé à prêcher depuis 2009. Et mon église, je l'ai commencé en 2012. Et ça fait déjà presque 7 ans que je conduis une église. Ça a commencé par des réunions des jeunes. Nous avons eu beaucoup de jeunes à Bruxelles, c'est-à-dire les bandes, comment on peut, comme les Kuluna ici. Avec des locks et ainsi de suite. Et le Seigneur les a amenés à croire les messages. Leurs parents étaient dans le désespoir. Ils les ont renvoyés en Afrique. Parce que là-bas en Europe, ça ne marchait pas avec eux. Ils avaient beaucoup de problèmes avec la police, des problèmes avec l'école, mais ils n'ont pas trouvé la solution. Mais quand ils ont rencontré les messages, leur vie a été complètement changée. Amen. Amen. Donc c'était des jeunes de 15 ans, 16 ans. Ils sont retournés à l'école. Ils ont terminé leurs études. Ils se sont mariés. Et le Seigneur les a bénis. Ils ont eu leur travail. Et dans la majorité de ces jeunes-là, ceux qui se sont mariés, ils avaient dans les 25 ans. Donc, dans les 22 ans. Et puis d'autres, ils étaient de la nationalité rwandaise, burundaise. Au début, leurs parents m'ont tellement combattu, croyant que je voulais manipuler leurs enfants. Mais quand ils ont vu la vie de leurs enfants changer, les parents sont venus aussi prier. Amen. Amen. Donc, je remercie le Seigneur de pouvoir rencontrer le pasteur Kalumbu et de me donner aussi la grâce de me tenir devant vous pour vous parler. Donc, sans plus tarder, je vais donner simplement un petit message. Après,
on va rentrer peut-être dans la prière. Donc nous allons nous lever. Nous allons prendre la Bible dans les livres d'Exode. Exode chapitre 13, verset 13. Je vais lire la parole du Seigneur. Tu rachèteras avec un agneau tout premier né de l'âne. Et si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras aussi tout premier-né de l'homme parmi tes fils. Amen. Nous allons prendre aussi Apocalypse, chapitre 5, Apocalypse, chapitre 5. Donc, Apocalypse chapitre 5, on va commencer au verset 1. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de sept sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Personne dans les ciels, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir les livres ni les regarder. Et je plairai beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres ni les regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne plaire point. Voici les lions de la tribu de Judas, les rejetons de David, a vaincu pour ouvrir les livres et ses sceaux. Et je vis au milieu des trônes et des quatre êtres vivants et au milieu de vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait sept cornes et sept yeux qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et prit les livres de la main droite de celui qui était assis sur les trônes. Amen. Amen. Nous allons fermer nos yeux. Père éternel, nous te disons merci, Père. Je sens déjà ta présence que tu es là. Quelle présence, Père éternel. Puisses-tu bénir tes enfants, Seigneur. Tu connais leurs besoins, Seigneur. Tu connais ce dont ils ont besoin. Rencontre chaque besoin, Seigneur. Guéris ceux qui sont malades, Père. Donne la joie à ceux qui sont tristes, Père. Ramène les rétrogrades, Seigneur. Remplis chacun de nous du Saint-Esprit, Seigneur. Oh Père, bénis-nous, Seigneur. Oh Père, nous te disons merci, Seigneur. Nous savons que nous sommes déjà bénis, Seigneur. Parce que tu es au milieu de nous, Seigneur. Tu es au milieu de nous, Seigneur. Rencontre chaque besoin, Seigneur. Merci, Père éternel. Nous prions ainsi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Le sujet de ce soir, je vais l'intituler des titres du propriété incontestable. Les titres du propriété incontestable. Frère Branham dit ceci. Il dit lorsque Dieu avait créé Adam,
Adam était le dieu de la terre. Il ne pouvait pas réfléchir. Il avait une foi parfaite. Il avait l'amour parfait. Amen. Amen. Tout ce que Adam était, amen. C'était la divinité qui était en lui. Il ne pouvait pas se poser des questions. Amen. Amen. Quand il voyait un arbre qui n'était pas à sa place, Adam pouvait déplacer l'arbre. Quand il y avait la tempête, Adam pouvait calmer la tempête. Amen. Donc, Adam était le dieu de la terre et Dieu était le dieu du ciel. Il avait mis sa divinité dans Adam. Amen. Amen. Et un jour, Adam, au lieu d'utiliser la foi, il a utilisé la sagesse du monde. Et il a perdu sa divinité. Amen. Amen. Et lorsqu'il a perdu sa divinité, et Dieu est venu dans le jardin d'Éden, Dieu a voulu racheter Adam. Mais Dieu ne pouvait pas racheter Adam. Amen. Amen. Pourquoi cela? Parce que Dieu n'avait pas les sang. Alors il a fait la promesse. D'abord il les a chassés dans le jardin d'Éden. Et comme Adam et Ève étaient en train de quitter le jardin d'Éden, avant qu'ils quittent le jardin d'Éden, Dieu avait tué un agneau. Et il les a habillés avec la peau d'un agneau. Et quand ils sont sortis du jardin d'Éden, et Dieu aimait tellement Adam et Ève. Si vous regardez dans la Genèse, Dieu n'a jamais maudit Adam quand il a commis le péché. Dieu n'a jamais maudit Ève quand ils ont commis le péché. Dieu avait maudit la terre. Parce que Dieu ne peut pas maudire ses enfants. Mais Dieu savait qu'un jour, il reviendra racheter Adam et Ève. Amen. Alors, lorsqu'ils sont sortis du jardin d'Éden, et Dieu leur a dit, arrêtez. Amen. Il dit, je vous donnerai une semence. Amen. C'est-à-dire, un jour, Dieu viendra lui-même pour les racheter avec son propre sang. Mais quand Dieu a voulu racheter Adam et Ève, il a dit qu'il n'avait pas le sang humain. Alors, il a pourvu un agneau. Il a tué un agneau comme un substitut. Pas pour enlever les péchés, mais pour couvrir les péchés. Alors le pouvoir de la terre que Dieu avait donné à Adam, amen, est retourné vers Dieu. Alors le diable est devenu le dieu de la terre. Amen. C'est pour cela quand il a rencontré Jésus-Christ, quand il a tenté le Seigneur Jésus-Christ, il lui a dit, si tu m'adores, je te donnerai la France, je te donnerai les États-Unis, je te donnerai le monde entier. Amen. Mais Jésus n'a pas voulu l'adorer. Il a dit, arrière de moi Satan, parce que je sais que dans les millénium je vais reprendre la terre. Amen. Et pendant dans l'Ancien Testament, tous les gens qui mouraient n'allez pas dans la présence de Dieu. Vous allez dans les séjours des morts. Les séjours des morts étaient divisés en deux parties. Le paradis, là où les saints allaient. Amen. Et les séjours des morts, là où les incrédules allaient. Mais les diables avaient l'autorité sur les deux. Parce que les diables se disaient, pour que vous puissiez être délivrés, il faut un homme qui n'a jamais péché. Et le diable leur disait, cet homme-là ne viendra jamais. Parce que vous tous, vous avez une partie de moi en vous. Amen. Amen. Vous êtes né dans les péchés, conçu dans l'iniquité. Frère Branham dit ceci. Le diable se promenait dans les séjours des morts. Il secouait les clés du séjour des morts. Il disait, cet homme-là ne viendra pas. Parce qu'il n'existe pas. Mais il avait oublié quelque chose. Il avait oublié complètement quelque chose. Que Dieu, il est tellement grand. Tellement grand. Il
peut devenir petit. Amen. Amen. Voilà pourquoi quand Jésus est né, Frère Branham dit ceci. Il dit Jéhovah en train de pleurer dans la crèche. Amen. Amen. Jéhovah. Un bébé. Qui croit cela? Qui croit que Jésus est Dieu? Amen. Amen. J'ai eu un problème à Bruxelles. Il y a mes brebis qui sont venus vers moi. Ils m'ont dit non, pasteur. Jésus n'est pas Dieu. Jésus était un homme comme nous. Amen. Amen. Qui vous a prêché cela? Oh, un homme qui est quelque part. Là. J'ai dit, vous savez une chose. Avant, vous étiez des brigands. Si vous rejetez la divinité de Jésus, tous les mal que Dieu a enlevé en vous, ça va revenir sur vous. Amen. Amen. Beaucoup de gens aujourd'hui dans les messages croient que Jésus n'est pas Dieu et que Jésus était un simple homme comme nous. Ils m'ont dit, frère Eddie, donne-nous une citation du prophète où le prophète dit ceci, que le corps de Jésus est Dieu. Alors nous allons te croire. Amen. 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 J'ai dit, je sais que quand je vais vous donner cela, vous allez nier toujours. Frère Branham dit, dans les signes, les signes de Dallas. Oh, yeah, Dallas. Frère Branham dit ceci. Donc, Branham, il dit, ce corps-là de Jésus était Dieu. Amen. Amen. C'est pour cela, lorsqu'il est né, les mages l'ont adoré. Frère Branham dit ceci. Dans les dons appropriés, il dit les mages étaient inspirés. Ils savaient que ce bébé était Dieu. C'est pour cela qu'ils avaient amené la myrrhe pour montrer que ce bébé c'était la divinité. Il allait donner sa vie pour vous et moi. Amen. Ils ont amené l'or pour montrer que ce bébé était réellement Dieu. La divinité, c'est l'or. Amen. Amen. Ils ont amené leur sang pour montrer que ces bébés, il sera un sacrificateur. Donc la sacrificature d'Aaron allait terminer et lui, il allait devenir le souverain sacrificateur de notre confession qui peut compatir à nos infirmités. Amen. C'est pour cela, lorsque vous venez à Christ, la première révélation que Dieu doit vous donner, c'est que Jésus est Dieu. Amen. Amen. Nous devons faire la différence entre Jésus et le prophète. Amen. Amen. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont dans la confusion. Ils adorent les prophètes. Pourquoi cela? C'est un manque de révélation. Amen. Frère Branham dit ceci. Dans Vivant, Mourant et Enseveli, il dit le corps de Jésus était composé différemment de notre corps. Voilà pourquoi quand il a été crucifié, il y a eu une réaction chimique dans son corps qui ne peut pas se faire dans votre corps. L'eau et le sang se sont séparés. Amen. Jésus était Dieu. Il marchait dans les sept chandeliers d'or. Il quittait Éphèse pour aller dans la Odyssée. Amen. C'est lui qui a engagé les sept messagers. Il a appelé un par un. Amen. Il a fait des sept messagers. Il leur a donné le pouvoir comme Moïse avait le pouvoir sur les enfants d'Israël. Amen. Lorsque nous croyons aux prophètes, amen, nous devons les croire réellement comme les enfants d'Israël croyaient à Moïse. Amen. Frère Branham est notre Moïse. Amen. Le message qu'il a prêché, c'est Jésus-Christ. Le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est pour cela que vous êtes là. Parce que Dieu vous a prédestiné avant la fondation du monde. Beaucoup de gens peuvent écouter ces messages, mais ils ne peuvent pas les croire. Parce que leur nom ne se trouve pas dans les livres de vie de l'agneau. Mais Dieu vous a tellement aimé. Il a mis votre nom dans les livres de vie de l'agneau. Amen. Alors Satan disait, personne ne pourra vous délivrer. Il n'y a personne. Vous resterez ici. Il disait, donnez-moi un homme qui n'a jamais péché. Amen.
C'est pour cela dans Apocalypse chapitre 5, on cherchait un homme. Dieu a dit ceci. Quel est l'homme qui n'a jamais péché? Qu'il vient ouvrir les livres et en rompre les sceaux. Amen. 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 Frère Branham dit ces livres-là, c'était les titres des propriétés de la terre. C'est votre héritage. Amen. Amen. C'est votre héritage de la vie éternelle. C'est pour cela que frère Branham dit ceci. Il dit, aujourd'hui, les chrétiens vivent en dessous de leurs privilèges. Ils ne savent pas qui ils sont. Le but de mon message, c'est de vous montrer qui vous êtes. Amen. Si vous connaissez qui vous êtes, le diable a perdu son pouvoir. Vous devez savoir que vous êtes une partie de Dieu. Amen. Vous êtes tellement important que Dieu est venu mourir pour vous. Amen. Voilà pourquoi frère Branham dit ceci. Il dit l'épouse est le sang de Christ. Amen. Vous êtes porteur d'une bénédiction. Amen. Vous êtes la bénédiction vous-même. Amen. Vous devez savoir cela. Amen. Lorsque Laban a eu des problèmes avec Jacob, il a réellement dit à Jacob, il dit je sais que Dieu m'a béni à cause de toi. Amen. Pourquoi cela? Parce que Jacob avait l'alliance de Dieu. Il avait la bénédiction de Dieu qui a été transmise en commençant par Abraham, Isaac et Jacob. Il avait les droits d'aînesse. Aujourd'hui, dans les messages, on voit beaucoup de gens, à cause de l'argent, ils pensent que j'ai besoin d'argent. Je dois devenir juif. Amen. On a vu cela à Bruxelles. Beaucoup de gens ont fui les messages. Sont devenus des juifs. Les drapeaux d'Israël partout. Je vais vous dire une chose. Amen. L'épouse. Moi c'est Libala. Et les Juifs. Naba Yuda. Amen. Amen. Qui a la plus grande bénédiction? Amen. 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 Frère Branham dit ceci. Il dit Jacob. Jacob. Lorsqu'il voulait bénir les enfants de Joseph, il a pris Manassé et Ephraïm. Amen. Joseph a mis sa main droite. Et Joseph a mis sa main droite. Joseph a mis sa main droite sur Manassé. Sa main gauche sur Ephraïm, le plus petit. Et son père était en face de lui. Mais là, son père, au lieu de bénir Manassé qui était le plus grand, Jacob a pris sa main droite. Il a mis sur Ephraïm. Sa main gauche, il a mis sur Manassé. Joseph a dit non papa, il ne faut pas faire cela. Cela n'est pas correct. Il dit non, non, je suis sous l'inspiration. C'est Dieu qui m'a dit de faire. Frère Branham dit cela signifie la croix. C'est-à-dire la bénédiction d'Abraham qui passe à l'épouse. Manassé représentait Israël. Ephraïm représentait. Amen. L'épouse. Et frère Branham dit ceci. Il dit, remarquez, et pardon, la Bible dit ceci, Jacob dit ceci, il dit, Ephraïm sera grand. Voilà pourquoi les gens qui quittent le christianisme, amen, pour aller dans le judaïsme, qui ne croient même pas que Jésus est le Messie,
Ils ont un problème. Frère Branham dit ceci. Il dit, l'épouse sera dans le palais. Et les 144 000 seront les serviteurs autour du palais. Pourquoi vous voulez devenir les serviteurs? Amen. Vous êtes l'épouse de Christ. Amen. Vous avez plus de pouvoir, plus de bénédiction que les Juifs. Voilà pourquoi Frère Branham dit ceci. La bénédiction matérielle ne montre pas que vous avez Dieu avec vous. Amen. 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 Si Frère Branham voulait être riche, mes amis, il allait le devenir. Je vous dis la vérité. Il a prié pour quelqu'un qui avait le cancer. La personne a été guérie. Amen. Amen. Il est allé dans une banque. À quelle banque, Moko? Il a pris tout son argent, des millions. Ils ont mis ça dans une camionnette. On l'a amené jusqu'à Frère Branham. Frère Branham dit, retournez avec cela. Je n'ai pas besoin de cela. Tous ces dons, vous avez besoin. Dieu va vous les donner. Amen. Amen. Parce que vous êtes l'épouse de Christ. Amen. Amen. Un homme qui aime sa femme. Amen. 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 Il donne tout à sa femme. Amen. 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 Un homme qui aime sa femme. Il donne tout à sa femme. Amen. 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 Et tout ce dont vous avez besoin se trouve en Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà pourquoi le nom de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Si vous priez au nom de Branham, Dieu ne vous écoute pas. Au nom de Jéhovah Tel, Dieu ne vous écoute pas. Au nom de Elohim, Dieu ne vous écoute pas. Il vous répond simplement au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que dans le nom du Seigneur Jésus-Christ se trouvent tous les noms rédempteurs de Dieu. Il est Jéhovah Jireh. Amen. C'est lui qui pourvoit. Amen. Il est Jéhovah Nissi. C'est lui qui donne la victoire. Amen. Tous les noms rédempteurs de Dieu se trouvent en Jésus-Christ. Alors le diable a dit, vous resterez en prison. Mais un jour, Dieu par sa grâce a pourvu un agneau pour nous. Amen. 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 Et l'ange Gabriel a rencontré Marie. Et Dieu a créé dans le corps de Marie l'ovule et le sperme. Il a mis ensemble et il a mis dans les seins de Marie. Voilà pourquoi nous ne sommes pas sauvés par les sangs d'un juif. Nous ne sommes pas sauvés par les sangs d'un monde, d'un homme, des nations. Nous sommes sauvés par les sangs de Dieu lui-même. Amen. 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 Et Dieu est devenu un homme pour payer le prix. Amen. Voilà pourquoi Jésus ne pouvait pas dire ainsi dit le Seigneur. Il disait en vérité, en vérité. Amen. 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 Voilà pourquoi Jésus ne criait pas à la tombe. Il était la résurrection. Il était la vie. Amen. Ce qu'il ne pouvait pas faire dans les jardins d'Éden. Amen. Mais à la croix, il a fait. Il nous a transmis sa propre vie. C'est pour cela que le Saint-Esprit est le titre du propriétaire. Incontestable. Amen. Croyez-vous cela? Frère Branham dit, beaucoup de gens ont reçu le Saint-Esprit. Et ils ont croisé les mains. Frère Branham dit, mais vous ne savez pas que vous n'avez pas encore utilisé cela. Amen. Il dit, vous avez une puissance illimitée. Mais là, le diable va vous dire, vous n'êtes rien. Alors que vous êtes tellement puissant. Amen. Qui croit qu'il est l'épouse de Christ ici? Amen. 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 Les gens disent, laisse-moi voir Gabriel. Dieu, laisse-moi voir Gabriel. Amen. Amen. Frère Branham dit ceci. Il dit, vous et Gabriel. Yo na Gabriel. Qui a plus de puissance? C'est yo. Amen. Amen. Voilà pourquoi vous ne devez jamais vous plaindre. Parce que si vous vous plaignez, Dieu n'est pas content. Allez simplement devant Boaz et demandez ce dont vous avez besoin. Et Dieu vous donnera cela. Amen.
C'est pour cela c'est que Adam avait perdu dans le jardin d'Éden. Dieu nous l'a donné au travers de Christ. Amen. Lorsque Jésus est mort à la croix, amen, les gens pensaient que c'était fini. Mais il est descendu aux enfers. Frère Branham dit, il a vu le diable. Il lui a donné un coup de pied. Il a pris les clés de la mort et du séjour des morts. Amen. Il a pris cela. Il a vu Abraham. Abraham pouvait dire à Sarah, c'est l'homme qui était venu sous la chaîne des membres. Amen. Daniel pouvait dire, c'est la pierre qui s'est détachée sans les secours d'aucune main. Amen. Chacun voyait Jésus selon sa révélation. Amen. Et trois jours après, oh, je vais vous dire une chose. Les voleurs à la croix, la famille avait désespéré. Amen. Ils ont dit non, il a mérité ce qu'il avait fait. Il a mérité cela. C'était un koulouna. On l'a prêché, il ne pouvait pas se repentir. Mais Dieu ne peut pas perdre ses enfants. Amen. Il priait dans quelle église? Dieu ne pouvait pas les perdre. Même à la croix. Amen. Les deux voleurs l'insultaient. Tous les deux l'insultaient. Amen. Mais après, l'un a eu la révélation. Amen. Oh, il a dit non. Nous, nous méritons ce que nous avons fait. Mais lui, amen, il ne le mérite pas. Dis Seigneur, quand tu viendras dans ton royaume, souviens-toi de moi. Oh, quelle grâce le voleur à la croix il avait. Jésus lui a dit ceci. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Quand ils sont morts, ils se sont retrouvés au paradis. Amen. Amen. Jésus est mort le vendredi. Et le dimanche, Jésus est sorti avec tous les saints. Avec le voleur à la croix. Amen. Il n'a jamais écouté l'évangile. Amen. Il ne s'est jamais répandu simplement à la croix avec Jésus. Voilà pourquoi vous devez connaître qui vous êtes. Amen. Vous n'êtes pas un enfant de Dieu aujourd'hui. Et demain, vous êtes devenus les enfants du diable. Et vous revenez encore. Vous devez connaître votre position. Vous êtes des fils et des filles de Dieu. Que Dieu a prédestiné. Amen. Et lorsque Jésus est ressuscité, il est ressuscité avec tous les saints. Amen. Amen. Frère Branham dit ceci. Amen. Il dit tout Dieu, toute la plénitude de la divinité était en Jésus-Christ. Amen. Amen. Pas simplement cela. Amen. Amen. Vous aussi. Vous étiez en lui. Amen. Amen. Frère Branham dit, quand Jésus est ressuscité, nous aussi nous devons sortir. Mais il nous a prédestinés dans les âges pour venir nous racheter. Vous êtes l'épouse privilégiée de Christ. Vous êtes l'épouse privilégiée de Christ. Amen. Voilà pourquoi Dieu nous a envoyé Frère Branham. Pourquoi Dieu nous a envoyé Frère Branham? Parce que nous n'avons pas vu Jésus. Amen. Frère Branham, il avait le ministère de Christ. Amen. Jésus s'est identifié à lui pour nous montrer qui est Dieu. Voilà pourquoi Jésus a dit en ces jours-là, vous saurez que je suis dans le Père, que le Père est en moi et que moi je suis en vous. Frère Branham dit, quel jour? Il dit aujourd'hui, les sceaux sont ouverts. C'est pour cela que vous êtes ici. Parce que vous avez vu votre nom dans les livres de vie. Amen. Lorsque vous entendez les prophètes prêcher, amen, et que vous aimez cela, c'est l'appel de votre nom. Amen. Oh, qu'est-ce que le titre de propriété? Amen. Oh, je vais dire, si je commence à lire, je sens que je vais garder l'onction. Frère Branham dit ceci. Il dit, qu'est-ce que ce titre de propriété? Amen. Il dit, c'est que tout ce que Adam avait perdu dans les jardins d'Éden,
Il dit Dieu vous l'a donné. Pour nous prouver qu'il nous l'a donné, il nous montre cela dans les prophètes. Amen. Adam pouvait parler aux animaux. Amen. Adam pouvait calmer la tempête. Amen. 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 Voilà pourquoi Frère Branham, Dieu l'a amené à dire petit poisson, je te donne la vie. Amen. Le poisson qui était mort, il dit je te donne la vie. Amen. 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 Voilà pourquoi Frère Branham, il était en train de fuir la tempête de la montagne. Dieu lui a dit retourne, parle à la tempête, parle la parole. Et la tempête va se calmer. Et il a parlé, la tempête s'est calmée. Et Dieu a pris tout ce qu'Adam avait perdu. Il a donné cela au prophète pour nous montrer que nous aussi, nous allons faire ce que le prophète a fait. Amen. 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 Parce que nous sommes les co-héritiers de Christ. C'est-à-dire nous sommes égaux à Jésus. Amen. Amen. Ça ne sert à rien. Comme je dis à mes amis de Bruxelles, ça ne sert à rien d'adorer les prophètes. Parce que vous devez devenir comme lui. Sinon, vous n'irez jamais dans l'enlèvement. Vous devez devenir comme lui. La même vie, les mêmes signes, les mêmes œuvres. Amen. Ce que Adam a perdu. Amen. Dieu a donné cela à Malachi 4. Et Malachi 4 est là pour parler. Et cela nous appartient. Amen. Voilà pourquoi Frère Branham dit ceci. Il dit, si quelqu'un a des maux de tête, il va dire non, Dieu peut me guérir. S'il a des maux de dents, il va croire, Dieu va les guérir. Frère Branham dit, mais qu'en est-il quand vous faites un accident de voiture et que votre bassin se brise et que vous restez dans une chaise roulante? Il dit, est-ce que vous allez croire que vous allez marcher? Amen. Voilà pourquoi Frère Branham dit ceci. Ne regardez jamais la gravité de votre problème. Regardez à ce Dieu qui est plus grand que votre problème. Amen. 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 Et si vous regardez la gravité de votre problème, vous allez perdre. Mais si vous regardez la grandeur de ce Dieu qui a créé votre corps, vous allez vous lever. Amen. Qui croit cela? Amen. 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 Ne regardez pas votre état. Regardez ce que Dieu a promis. Ce que Dieu a promis. Abraham ne regardait pas à son corps. Il regardait à ce que Dieu avait dit. Amen. 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 Frère Branham dit ceci. Il dit un jour, un homme est venu vers lui et sa femme. Ils ont amené leur enfant. Ils ont dit, prophète, est-ce que notre enfant est né de nouveau? Frère Branham dit ceci. Il dit, votre enfant n'est pas né de nouveau. Il dit, ne suivez pas parce qu'il est comme un prêtre. Il dit, il n'est pas né de nouveau. Il dit, il a blessé sa fiancée. Mais il a refusé de lui demander pardon. Il dit, il n'est pas né de nouveau. Amen. Amen. Il dit, je crains même. Non, c'était sa fréquenté, excusez-moi. Il dit, je crains même que s'il se marie, amen, amen, il dit, il sera l'enfer pour sa femme. Amen. 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 Écoutez-moi bien maintenant. Oui, Frère Branham dit, pourquoi cela? Il dit, vous le papa, yo, tata, vous êtes Irlandais. Yo, Irlande. La maman. Maman. Vous êtes allemande. Il dit, mais dans vos familles, c'est des familles de désordre. L'autre encore, des familles de troubles, de brigands. Il dit, mais Dieu vous a sauvé. Il dit, vous êtes né de nouveau. Mais votre sang coule dans votre enfant. C'est pour cela que lui aussi doit naître de nouveau. Amen. Amen. Mais le frère Branham dit ceci. Il dit, beaucoup de gens pensaient que le titre du propriété, c'était un livre que Adam se promenait avec dans les jardins d'Éden. Non, c'était une vie qui était en lui. Et frère Branham dit, c'est le Saint-Esprit. Amen. Il dit, voilà pourquoi quand le Saint-Esprit, vous vous êtes repenti,
correctement. Et vous avez été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et que Dieu vous a rempli du Saint-Esprit. Amen. Il dit cela efface toutes les condamnations. Ce que votre père ou votre mère a fait, les mauvaises choses que votre père et votre mère ont fait, leur punition ne peut pas venir sur vous. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est tellement important. Amen. Le frère Branham dit ceci. Un enfant qui était malade, il a prié pour cet enfant qui avait l'épilepsie. Il dit, cela est venu de son grand-père. Amen. Amen. Que vous comprenez cela. Vous savez une chose. Un enfant illégitime ne peut pas aller au ciel. Est-ce que vous savez cela? Amen. 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 C'est 40 générations, je crois, si je me trompe. Amen. Amen. Mais, Frère Branham le dit, dans étroiter la porte, mais quand vous revenez, dans les 10 vierges, il dit, si vous êtes né de nouveau, cela ne s'implique pas à vous. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Amen. Donc vous, vous avez un autre père et une autre mère. Voilà pourquoi Frère Branham dit, à la fin de sa vie, il dit, je ne suis pas le fils de Ella et de Charles Branham. Sinon j'allais être alcoolique comme Charles. Amen. Mais Dieu m'a prédestiné. Dieu vous a choisi. Dieu a mis sa semence en vous. Amen. Dans votre cœur se trouve les titre du propriétaire incontestable. Amen. Lorsque Jérémie était en prison, son cousin est venu. Il lui a dit, achète la terre pour moi. J'ai un champ, achète cela. Amen. Et Jérémie a compris que c'était la révélation du Saint-Esprit. Amen. Amen. Jérémie a dit, donc je vais l'acheter. Il a appelé les témoins. Il a signé les contrats d'achat. Amen. Et ce contrat avait deux parties. Une partie scellée et une partie ouverte. Amen. Et la Bible a dit ceci. Ils ont pris cela. Ils ont gardé cela dans un vase de terre. Frère Branham dit, ces vases de terre là, c'était Jésus qui gardait les mystères de la Bible. Que Malachie 4 devrait venir révéler. C'est pour cela la Bible a deux phases. A deux phases. Amen. Il y a une phase où vous pouvez lire et comprendre. Il y a une autre partie où vous pouvez lire et ne pas comprendre. Voilà la partie dont le prophète est venu révéler. Amen. C'est pour cela nous lisons les brochures du haut de la chair. Parce que la Bible a dit, n'ajoutez pas et ne retranchez pas de la Bible. Mais pourquoi nous lisons les brochures? Amen. C'est tellement simple. Lorsque Jean a voulu écrire les tonnerres, Dieu lui a dit, ne l'écris pas. Ne l'écris pas. Mets cela au dos du livre. Au temps de la fin, Malachie 4 est révélé. Donc les brochures devraient être dans la Bible. Dieu a dit, non, ne l'écris pas. Laissez cela pour les prophètes. Quand il viendra, il prêchera cela. Voilà pourquoi nous lisons les brochures. Dieu de la chair. Parce que c'est sorti de la Bible, c'est le Saint-Honneur. Amen. Et Frère Branham dit ceci, le vase de terre, c'est votre cœur. C'est là où Dieu se révèle. On ne connaît pas Dieu de la tête, on connaît Dieu dans les cœurs. Dieu se révèle dans les cœurs. C'est pour cela le message est une révélation. Chacun doit avoir sa révélation. 10 messages, il n'y a pas de révélation collective. Chacun doit avoir sa révélation. Amen. Qui vient de son cœur. Amen. Amen.
Paul dit ceci. Paul, le mariage est un mystère. Frère Branham dit, le mariage est une révélation. Paul dit, l'enlèvement est un mystère. Frère Branham dit, l'enlèvement est une révélation. Amen. Nous sommes dans l'âge de la révélation. Nous sommes dans l'âge de la parole. Amen. Dieu veut s'installer en vous sous forme de la parole. Nous sommes dans l'âge de la parole incarnée dans les croyants. Voilà pourquoi nous écoutons les bandes. Voilà pourquoi nous écoutons les messages. Aujourd'hui, nous sommes dans un autre royaume. Pas dans le royaume du monde. Nous ne sommes pas les Congolais. Les Congolais iront en enfer. Les Belges iront en enfer. Amen. Comme je parlais à quelqu'un, je vais poser la question. Est-ce que les Congolais, ils ont leur Saint-Esprit? Et les Blancs, leur Saint-Esprit? J'ai dit non. Nous avons un seul Saint-Esprit. Il n'y a pas deux Saint-Esprits. Il y a un seul Saint-Esprit. Ce que Dieu a fait dans la vie du prophète, on doit le voir dans chaque vie. Amen. On doit voir les messages vivre en nous. Amen. Ce que nous avons vu dans les prophètes, nous devons les faire. Nous devons suivre cela. Voilà pourquoi le message est venu. Vous avez les titres de propriété incontestables. Lorsque, en Europe par exemple, si je rentre chez moi, je trouve dans ma maison des brigands en train de boire, des alcooliques, des fous, dans ma maison. J'ai le droit de les chasser. Ce n'est pas votre maison. Quittez ici. S'ils disent, nous n'allons pas quitter. Mais j'ai les titres de la maison. Je pars simplement à la police. Il y a des brigands chez moi. Ils vont venir. Oui, 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 oui. Amen. Et ils vont les foutre à la porte. Voilà pourquoi Frère Branham dit ceci. Il dit, vous avez le droit de réclamer tout ce que les diables vous a volé injustement. Vous avez le droit de réclamer le travail. Seigneur, je veux tel travail. Il va vous donner. Seigneur, mon fils ne croit pas. Vous le réclamez. Il va venir. Mon mari est rétrograde. Vous le réclamez. Il va revenir. Mon mari fait le divorce. Vous vous mettez à genoux en train de prier. Il va revenir. Amen. Quelqu'un a volé la voiture d'un frère. Frère Branham a dit, mettons-nous à genoux. Nous allons prier pour réclamer ta voiture. Amen. Cet homme-là qui était voleur, dans les temps, il était chrétien, il était devenu rétrograde. Frère Branham dit, j'envoie le Saint-Esprit pour les lier. Amen. Le Saint-Esprit l'a lié. Il lui a dit, prends la voiture. Passe par là. Dépose ça là-bas. Et il a fui. Et ils sont allés récupérer la voiture. Vous avez le droit de réclamer ce qui vous appartient. La joie vous appartient. La santé vous appartient. Le bonheur vous appartient. Le Saint-Esprit vous appartient. La vie éternelle vous appartient. Amen. Parce que vous êtes l'épouse du possesseur du ciel et de la terre. Amen. Il faut de temps en temps faire des jeûnes et prières pour que Dieu agisse. Amen. Lorsque Esther était dans les troubles, on lui a dit, on va tuer tous les Juifs. Amen. Il dit non. On va jeûner avec mes filles, mes servantes. 3 jours. Ils ont jeûné. Ils ont prié. Amen. On ne pouvait pas entrer chez le roi comme cela. Il fallait avoir l'audience. Amen. Elle a mis ses vêtements royaux. Amen. Amen. Elle est entrée vers le roi. Amen. Amen. Le roi lui a donné les 7 traits d'or. Le titre de propriété. Titre de propriété. Il lui a dit, demande tout ce que tu veux. Il lui a dit, même la moitié du royaume. Amen. 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 C'est pour cela que Frère Branham est venu nous dire de sortir dans l'amnésie spirituelle. Que moi je suis toujours comme ça. Je suis toujours comme ça. Les choses ne marchent pas. Ça ne marche pas. Vous parlez les langages de Satan. Vous devez dire, je suis bien. Vous avez de l'argent. Oui, j'ai de l'argent. Même si vous ne l'avez pas, vous dites oui. Amen. Amen.
Quand vous commencez à confesser les positifs, Dieu va l'accomplir. Amen. Frère Branham dit ceci. Prenez quelqu'un qui parle de la boisson. Qui parle tout le temps de la boisson. Qui parle tout le temps de la boisson. Il dit qu'il va devenir alcoolique. Amen. Parlez toujours. Et soyez toujours positif. Quand vous êtes positif, Dieu voit votre foi. Il va agréer cela. Qui croit cela? Dieu va agréer cela. Frère Branham dit ceci. Vous êtes égal à Jésus-Christ. Si vous comprenez cela, le diable va prendre ses affaires, va partir. Si vous comprenez comment le diable veut agir dans l'église, et que vous avez la révélation de la vraie église, il dit vous serez une armée invincible. Amen. 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 Voilà pourquoi vous devez toujours dire des bonnes choses. Amen. Amen. Dis toujours des bonnes choses. Amen. Amen. Même si vous voyez votre frère dans des problèmes, priez pour lui. Frère Branham dit ceci. Jette ton pain dans l'eau. Et cela reviendra sur toi. Amen. Amen. C'est-à-dire quand vous dites des bonnes choses des autres personnes, les gens aussi diront des bonnes choses. Ne restez pas avec les gens qui critiquent les autres. Cela va vous retirer la présence. Cela va vous retirer l'esprit. Soyez toujours positif. Amen. Amen. Quand j'ai voulu me marier, ma femme m'a dit, mais je lui ai dit, on va se marier les 7-7. Moi, c'est Nanga, je lui ai dit, les 7-7. Elle dit, mais Eddie, t'as pas l'argent. Tu fais que les intérims, t'as pas l'argent. Moi je lui dis, je sais pas. Mais Dieu m'a dit qu'on va se marier. Je n'avais rien. Amen. 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 Mais il y a une chose que j'avais compris. Dans l'église où j'étais avant, j'avais travaillé là-bas pendant au moins 10 ans. Je venais les matins. Je lave l'église, je nettoie, j'aspire, je mets les cantiques, tout ça, et je vois tout le monde venir prier. J'étais huissier à cette époque. Amen. Amen. Pour vous dire, vous qui servez à l'église, il ne faut pas attendre que le pasteur vous donne quelque chose. Non, c'est Dieu qui vous payera. Amen. 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 Je n'avais même pas de papier. Un jour, une sœur m'a dit, non, frère Eddy, je rêvais qu'on t'a donné les papiers. C'était écrit, durée illimitée. Donc, vous savez que chaque pays a ses problèmes. Nous, nos problèmes, c'est les papiers. Quand tu n'as pas de papiers, donc tu ne sais pas travailler, tu sais rien faire. Amen. Amen. Mais il y avait le frère Arthur qui venait prêcher dans notre église. Je ne sais pas si vous connaissez le frère Arthur. Alors, il aimait beaucoup notre église. Il disait, mais avec les potentialités que vous avez, les rois peuvent changer la loi. On vous appelle pour avoir les papiers. On criait, on criait, on criait. Quand tu sors comme ça, tu dis, ah, les rois, vraiment, ils ne me connaissent même pas. Oh mes amis, et les rois ont changé la loi. Les gens se moquaient de nous. Ces gens-là ne s'étonnaient. Des sans-papiers. Des chômeurs. Amen. 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 Mais on aimait la parole. On aimait la parole. Attachez-vous à la parole. Et Dieu va vous aider. Une sœur m'a dit, frère Eddy, je rêvais qu'on t'a donné les papiers. Demain, je sors comme ça, la police m'arrête. Il a dit non, on te renvoie en Afrique. C'est ton pays, hein, il ne faut pas pleurer. Tu rentres là-bas. Donc. Ils m'ont enfermé là-bas au bureau. Alors ils m'ont demandé, on t'a déjà chassé une fois ici. J'ai dit oui. Hein. J'ai déjà eu des papiers pour que je rentre chez moi. Amen. Amen. Alors,
Ils ont dit, bon, on va vérifier. Si on t'a déjà chassé, donc on te prend, on t'amène à l'Afrique. Ils ont appelé dans leur bureau là-bas, au service des étrangers. On leur a dit, non, cet homme-là, on ne lui a jamais donné. Ils m'ont dit, bon, tu peux partir. Et je suis parti. Et cinq ans après, quand les rois ont changé la loi, tous ceux qui n'ont pas de papier, venez prendre les papiers. Et quand je suis allé prendre mes papiers, dans la commune où j'habitais, c'était une commune. Si tu es étranger, les étrangers n'habitaient pas là-bas. Si tu es étranger, tu n'as pas de papiers, on vient te prendre, on te renvoie en Afrique. Et moi, quand j'ai pris l'appartement là-bas, c'était moins cher. C'était une belle commune. Tous les frères de l'église m'ont dit, tu as envie de retourner en Afrique. Quitte cette maison. Ils m'ont dit, comment tu vas ouvrir l'électricité? J'ai dit, je vais ouvrir, je ne sais pas. J'ai appelé la société d'électricité. J'ai dit, bon, j'ai un nouveau appartement, venez ouvrir l'électricité. Ils sont venus. Il y a un jeune qui était venu. Il m'a dit, où sont tes papiers? Je lui ai donné mon passeport. Il a regardé comme ça. Toi, tu es du Congo. Okay, bon. J'ouvre alors. Ah, non, il l'a ouvert. Les frères sont venus les soirs. Ils m'ont dit non, c'est pas vrai. Mais ils venaient manger chez moi tous les jours maintenant. Amen. Et après, quand je suis allé prendre mes papiers, quand j'ai pris mes papiers, j'ai regardé. C'était écrit direct, illimité, comme dans la vision. Amen. Amen. On avait écrit qu'on était venu en Europe pour étudier. Donc, comment tu as pour mais après, on a compris que c'était pour un autre but. Amen. Amen. Voilà pourquoi vous devez toujours faire confiance à Dieu. J'avais un frère dans mon église. Ce frère-là, il est plus grand que moi. C'était un guitariste. Chaque fois, on était à l'église, il tombait par terre. Tombe par terre. On l'amène à l'hôpital. On ne sait pas. On dit que c'est l'épilepsie. Mais le médecin dit cette épilepsie, je ne l'ai jamais vue. Il n'y avait pas de solution. Il m'a dit, frère, depuis que je suis en Afrique, on a prié pour moi. On a prié. Même dans les églises du message, on a prié. Depuis que j'étais petit, rien. Amen. Amen. Moi, je lui ai dit, tu sais une chose. C'est parce que tu ne croyais pas les messages. Tu suivais tes parents. Maintenant, il faut croire. Amen. Amen. Du jour au lendemain. Tout est parti. Amen. Amen. C'est pour vous dire que vous avez une potentialité en vous. Vous avez une puissance en vous. Mais parfois, vous ne réalisez pas cela. Voilà pourquoi frère Branham dit ceci. La puissance des guérisons se trouve en vous. Ça ne vient pas du prédicateur, se trouve en vous. Quand vous comprenez qui vous êtes, alors vous devenez invincible. Voilà pourquoi vous ne devez jamais envier quelqu'un. N'enviez jamais quelqu'un. Parce que quelqu'un qui est Dieu ne peut pas envier quelqu'un d'autre. N'enviez pas quelqu'un. Amen. Tous ces dons vous avez besoin, Dieu vous les donnera. Amen. Moi, quand j'ai commencé l'église, les gens se moquaient de moi. Oh, vous priez dans les salons de coiffure. Tous ces démons, on coupe les cheveux, ça va revenir sur vous. Amen. Dans 3 mois, vous allez fermer l'église. Dans 3 mois, tu n'auras plus rien à prêcher. Aujourd'hui, les gens ne parlent plus. On a notre propre salle. On a tous ces dons, nous avons besoin. C'est Dieu qui donne. Amen. Amen. N'enviez jamais personne. La puissance de Dieu, ce n'est pas simplement de sauter et de tomber. C'est la capacité de s'humilier. Amen. Amen. Voilà pourquoi Jésus, frère Branham dit ceci. Il dit la raison pour laquelle je crois que Jésus est Dieu. Ce n'est pas parce qu'il a fait des miracles. Il dit c'est parce qu'il était
humble. Amen. Il était tellement grand. Il a lavé les pieds de ses apôtres. Amen. Vous avez en vous le pouvoir de vous ressusciter vous-même. Vous avez en vous le pouvoir de créer un autre monde. Amen. De créer votre propre monde. Amen. Frère Branham dit, Jésus marchait dans un monde que personne ne pouvait toucher. Vous avez votre monde à vous-même. Vous et Dieu. Amen. Amen. Vous et Dieu. Il vous parle et vous répondez. Amen. 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 Alors, peu importe les problèmes que vous avez besoin, Dieu va vous les donner. Quelle potentialité vous avez? Quelle onction se trouve dans cette église? Donc, tout ce dont vous avez besoin, vous avez les capacités de la voir. Amen. Amen. Oh, quelle onction, rien que quand je suis venu ici. Sur tout ce dont vous avez besoin, Dieu va vous les donner. Si c'est une maladie, Dieu va guérir ça. Si c'est un travail, Dieu va vous les donner. Parce que Dieu veut votre bonheur. Frère Branham dit, Dieu veut que ses enfants soient heureux. Amen. Amen. Dieu veut que vous puissiez être heureux. Et Dieu va vous les donner. Oh, mes amis. Ne vous inquiétez de rien. Faites toujours du bien à vos frères. Et Dieu vous bénit. Amen. Amen. Quand vous faites du bien à vos frères et à vos sœurs, Dieu vous bénira. Ce message est tellement puissant. Mais le diable veut nous dire non, c'est rien. Non, le message est puissant. Mais il faut le mettre dans votre cœur, dans votre âme. Alors là, vous verrez la puissance. Si les enfants ne prient pas, réclamez les enfants. Réclamez votre mari. Réclamez. Et Dieu va vous les donner. Amen. Amen. Tout ce dont vous avez besoin, Dieu va vous les donner. Amen. Vous savez comment moi je suis venu dans les messages? Je ne croyais pas les messages. Amen. Amen. Les frères du message venaient chez moi à la maison. Je me moquais d'eux. Je rigolais. Amen. Amen. Mais un jour, j'ai compris que j'étais malade. Amen. Amen. Et quand je suis allé en Europe, ils m'ont réellement dit non, ton cœur là, on va l'opérer parce que sinon tu vas mourir. Amen. Amen. Je suis arrivé dans une église du message où ils ne connaissaient même pas des choses que moi je connais aujourd'hui. Mais Dieu m'a guéri. Amen. Amen. Je disais à Dieu, Seigneur, si tu me guéris, je vais devenir pasteur. Et quand Dieu m'a guéri, j'avais tout oublié. Et quand j'ai commencé à prêcher, cela est revenu. Amen. Amen. Vous savez, tout ce que Dieu a fait pour nous, nous ne méritons même pas 1%. Amen. Amen. C'est pour cela. Priez simplement pour vos frères et vos sœurs. Vous savez une chose, Frère Branham un jour, il a vu une femme d'une mauvaise vie. Il dit, Seigneur, si tu pouvais effacer ces gens-ci de la terre, les filles vont grandir avec des femmes pareilles. Amen. Amen. Et Dieu lui a dit, sors dehors, sors. Il a vu la terre en train de tourner. Et il a vu l'arc-en-ciel encercler la terre. Et l'arc-en-ciel saignait comme le sang de Christ. Il a vu ses propres fautes. Et quand il faisait des fautes, Dieu voulait les frapper. Et c'est Jésus qui était blessé. Amen. Amen. Et il a vu le Seigneur a pris un livre écrit William Marion Branham. Il a écrit dans ces livres-là avec le sang de Christ pardonné. Et il a pris cela. Il a jeté dans la mer de l'eau. Il dit, pourquoi tu condamnes cette femme-là?
Amen. Amen. C'est pour cela ne condamnez personne. Talentina oyoko. Quand vous avez la révélation que vous êtes l'épouse de Christ, vous n'avez fait aucun effort. C'est-à-dire les diables avaient les droits sur vous. Les diables voulaient vous marier. Il n'avait pas la dot. Il n'a pas su payer la dot. Mais Jésus, lui, il avait l'argent de la dot. Si vous lisez dans les livres des rites, vous allez voir quand rite voulait racheter. Quand Boaz voulait racheter Ruth, il lui a dit, attends d'abord. Il y a quelqu'un aussi qui a les droits pour te racheter. On va d'abord lui demander. On a demandé à cet homme-là, tu veux les racheter? On a dit, si tu rachètes les champs de Naomi, tu dois prendre aussi Ruth comme ta femme. D'abord, on lui a dit, tu dois acheter les champs de Naomi. Il a dit, oui, je vais l'acheter. Boaz lui a dit, attends encore. Si tu l'achètes, tu prends aussi Ruth comme ta femme. Il dit, ah, je vais perdre mon argent. Non. Amen. Amen. Il a dit à Boaz. Amen à Boaz boye. Bon, toi tu peux les racheter. Yo ko aussi ko laye. Amen. Amen. Frère Branham dit cet homme là. Donc Branham dit mobali wana. C'était le diable. Et c'est là qu'il savait. Amen. 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 Voilà pourquoi Frère Branham dit la rédemption. C'est-à-dire vous étiez esclave. Dieu vient vous racheter. Donc on ne peut plus vous vendre encore comme esclave. C'est fini. Amen. Amen. C'est fini. Vous êtes marié avec Christ. Dieu a pris votre ancien livre, votre ancienne vie, il a jeté dans la mer de l'oubli. Amen. Amen. Donc si quelqu'un veut vous rappeler, mais cette sœur, mais toi tu faisais ceci. Dis-lui, allez plonger dans la mer de l'oubli pour le prendre. Parce que le péché qui est plongé dans la mer de l'oubli, on ne peut plus le voir. Amen. Voilà pourquoi une sœur qui avait une mauvaise vie, lorsqu'elle s'était convertie, Périgrine a demandé à Frère Branham, qu'est-ce que cette sœur faisait? Frère Branham dit, attends, je vais voir ce qu'elle faisait. Elle n'a rien fait. Je ne vois rien. Amen. 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 Voilà pourquoi l'épouse n'est pas pardonnée. L'épouse est justifiée. Vous serez simplement béni si vous restez dans le message, le pays promis. C'est là que vous êtes béni. Vous quittez le message, vous allez perdre toute votre bénédiction. Mais si vous restez dans le message, vous êtes béni pour toujours. Parce que vous êtes l'épouse de Christ. Amen. Amen. Quand un homme veut se marier, il trouve une femme. Amen. Il ne sait pas pourquoi il aime. La femme trouve un homme. Il ne sait pas pourquoi elle aime. Frère Branham dit, ils ont existé avant la fondation. Dieu a pris l'âme de la personne, a mis cela dans un corps appelé temps. Amen. Vous êtes des créatures d'éternité. Donc avant d'être ici, vous étiez avec Dieu avant la fondation du monde. Dieu vous connaissait. Quand il crée les cieux et la terre, vous étiez là. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas vous perdre. Voilà pourquoi la femme au puits ne pouvait pas être perdue. Parce qu'elle avait la représentation de la prédestination. Ne frappez pas les enfants. Parce que leur ange voit la face du Père. Amen. Ce sont vos théophanies. Donc Dieu ne peut pas vous perdre. C'est pour cela, ne regardez pas à la gravité de votre problème. Regardez à la grandeur de Dieu. Vous êtes les créatures d'éternité. Amen. Amen. Vous étiez là quand Job a dit, Dieu a demandé à Job, où est-ce que tu étais quand j'ai créé les cieux et la terre? Quand les étoiles du matin chantaient, c'était vous les étoiles du matin. C'est à ce moment-là que votre nom a été écrit dans les livres de vie de l'agneau. Vous êtes des créatures d'éternité. Amen. Le péché doit perdre la puissance dans votre vie. Amen. Les tristesses,
l'indifférence doit perdre la puissance. Et vous allez voir Dieu, Dieu du message dans votre propre vie. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Je vais remettre la chair au pasteur. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur vous aime. Et n'oubliez pas que tout ce dont vous avez besoin se trouve à l'intérieur de vous. Amen. Amen. Vous cherchez Dieu, vous cherchez Dieu. Il en vous. Amen. Amen. Oh, les sorciers veulent me faire ceci. Oh, bah, nous, bah, mais quand vous étiez petit, pourquoi ils ne vous ont pas mangé? Parce que la sémence était en vous. Amen. Amen. Il faut réveiller cela. La moussa yango. C'est en écoutant la parole. C'est par la prière. Et par la consécration. Dieu vous parlera pour votre problème. Et la solution est déjà là. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci, frère. Que Dieu te bénisse. Lève-nous. J'étais perdu dans ce monde. Maintenant, nous passons à la pratique. Nous avons été dans la théorie. Maintenant, tu passes à la pratique. Dieu est en toi. Qu'est-ce que tu veux demander? De l'argent. Bongo. Ça se trouve en toi. Ezakatina yo. Tu vas réclamer ça ce soir. Senga yango sikona poko oyo. Tu as besoin du travail. Ozako senga musala. Mais tu as ça en toi là. Ezakatina yo musala yango. C'est facile. Ezapete. De parler de maman aigle. Yakoloba maman pongo. Et de l'aiglon. Pe maman na pongo. Maman aigle a dit. Maman pongo loba ki. Tout ce qui est en moi. Nyo ezakatina ngali. Ça se trouve en toi. Ezapekatina yo. Pourquoi toi tu ne peux pas saisir ça? Si tu es un enfant de Dieu, si tu étais un Dieu, tout ce que Dieu a, ça se trouve en toi. Si tu peux seulement demander la révélation ce soir, que Dieu te révèle ça. Alors tu n'auras rien à te plaindre. Dieu nous aime. Toi aussi tu sais que Dieu t'aime. Que Dieu te bénisse. Si tu crois, ce dont tu as besoin ce soir, ça se trouve en toi. Si tu as la sémence de Dieu, abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Oh mon frère et ma soeur. Oh, il y aura un de la moitié. Laisse-le. Ce soir, tu sortiras une autre personne. Pas la personne qui était entrée ici. Si tu as la nature de Dieu. Pourquoi toi tu veux regarder au monde? Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Quel est ton problème ce soir? Abandonne ça à Dieu. Le sang de Jésus a été versé pour toi, pour que tu possèdes tout ce que tu avais perdu, tout ce qu'Adam avait perdu. Le sang de Jésus-Christ a tout ramené à toi, la race d'Adam. Quelle joie! Quelle joie! Tu devrais avoir! À ton sauveur,
Oui, laisse-le. L'amour de Dieu, se trouve en toi. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Laisse-le. Si Dieu peut te révéler ce soir, de tout ce que l'homme a perdu dans le jardin d'Éden, Christ vous a arraché cela. Ce n'est plus au ciel, mais c'est avec toi. C'est dans tes mains. C'est dans tes mains. Tu peux réclamer ça. Et tu verras cela apparaître. Oh, gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Laisse-le. Le livre des propriétés se trouve dans la main de Dieu. Mais aujourd'hui, Dieu t'a restitué cela. Oh frère, réclame la nature. Dieu te l'a rappelé aujourd'hui parce que tu as oublié. Tu as oublié. Tu as oublié. Mais ce soir, Dieu te l'a rappelé. Alors ne regarde pas en arrière. Maintenant regarde en avant. Tu es Dieu. Tu es un petit Dieu. Tu peux tout réclamer. Dieu te le donnera. Dieu te l'a déjà donné. Alléluia. Mais tu peux tout réclamer. Et tu auras ça. Oh, gloire à Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Abandonne. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Oui, laisse-le. Alléluia. Laisse-le. Laisse-le. Laisse tes fardeaux au pied de ton sauveur. Oui, ton sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Oh my. Laisse-les. Alléluia. Oh, gloire à Jésus-Christ, notre Dieu. Amen, 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 amen. Glorie. Alléluia. Laisse tes fardeaux au pied de ton sauveur. Oui, Seigneur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Glorie. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur Jésus. Amen, 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 amen. Oh, mon Dieu, mon roi, alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à Jésus. Amen, 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 amen. Abandonne-toi. Alléluia. Oh, glorie. Amen. Quand tes ennemis t'assaillent, ton cœur commence à faiblir. N'oublie pas que Dieu répond à la prière. Il fera une voie pour toi, te conduira sûrement. Abandonne tes fardeaux
à ton sauveur. Oh, laisse-les. Alléluia. Laisse-les. Voilà Jésus. Laisse tes fardeaux au pied de ton saura te secourir. Oh, merci Jésus. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Bientôt tout sera fini sur cette terre. Dieu te parle. Dieu t'a parlé. Dieu te connaissait avant la fondation du monde. Et il a mis une partie de lui en toi. Tu es cette partie de Dieu. Cette puissance qui est en Dieu se trouve en toi. Tout ce qui est en Dieu, l'amour qui est en Dieu, la paix qui est en Dieu, la douceur qui est en Dieu, la tempérance qui est en Dieu, tout ce qui est en Dieu se trouve en toi. Est-ce que tu peux le croire ce soir? Et tu sortiras de cette salle un petit Dieu. Alléluia! Au gloire à Jésus-Christ! Amen, 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 amen. Pourquoi tu ne peux pas croire, ma soeur? Mon frère, crois! Ne doute pas! Dieu
Dieu ne te demande rien. Si ce n'est que de croire. Et ce qui te dit la vérité. C'est lui qui a placé sa partie en toi. Toi, tu ne le savais pas. Mais maintenant, il te dit, en toi, il y a une partie de Dieu. Et alors, croyez à ça, frère et soeur. C'est tout ce que Dieu vous demande. D'accepter ce qu'il vous dit là. Que cela est la vérité. Et croyez cela de tout votre cœur. Vous verrez Dieu agir dans votre vie. Souvent, le diable nous a beaucoup trompés. Il faut beaucoup aller à la montagne. Il faut veiller. Il faut gêner. Mais ce n'est pas ce que Dieu a dit. Dieu a dit qu'en toi, il y a une partie de lui. Tu n'as pas à gêner pour avoir ça. Tu n'as pas à aller à la montagne pour avoir ça. Tu as déjà ça. Réclame cela. Ce n'est pas que quand tu réclames ça, Dieu va te le donner. Non, quand tu réclames ça, toi tu auras ça. Ça se trouve en toi. Ça va se manifester. Tu verras Dieu en train de faire ça. Au gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Quel amour. Quelle miséricorde de Dieu. Quelle bonté divine. Oh, frères et sœurs. Louez tout simplement l'Éternel. Glorifiez Dieu. Pour vous avoir créé son enfant. Tu ne lui as pas demandé ça. Et il est incapable d'enlever sa nature de toi. Tu l'as, frère et soeur. Même si tu es malade, tu as la nature de Dieu. Oh, gloire à Jésus. Quel est ton problème ce soir? Quel est ton problème ce soir? Quel est ton problème ce soir? Frère, tu as une solution en toi. Réclame cela. Oh, quel amour. Mais frère, Dieu nous parle pour que nous puissions grandir. Chaque jour, chaque fois que nous recevons la parole de Dieu, chaque fois que nous acceptons ce que Dieu nous dit, nous grandissons jusqu'à ce que nous arriverons à maturité et nous verrons Dieu se personnifier au milieu de nous. C'est la vérité, frères et sœurs. Oh, merci Seigneur. J'aime Jésus. J'aime Jésus. J'aime Jésus. Qu'il soit loué. Oh, j'aime Jésus. Oh my, alléluia. Oh, j'aime Jésus. Qu'il soit loué. Oh, qu'il soit loué. Alléluia. Qu'il soit loué. Oh, qui soit loué. Alléluia, qui soit loué. Oh, qui soit loué. Alléluia, qui soit loué. Oh, qui soit loué. Alléluia.
Dieu notre Père Céleste, qu'est-ce que nous pouvons encore te dire alors que tu nous as tout dit ce soir? Père, pardonne nos faiblesses, pardonne nos manquements, Seigneur. Pardonne notre ignorance, oh Dieu. Père Céleste, révèle-toi à chacun, Seigneur. Ce soir, révèle chacun de tes enfants ce qu'il est réellement. Omar, alléluia. Et nous croyons, Seigneur, que le diable est déjà sorti d'ici. Parce qu'il comprend aujourd'hui que les enfants de Dieu savent ce qu'ils sont. Ils ne peuvent pas fléchir devant le diable. Aussi réel que Jésus ne l'a pas fait, nous aussi nous ne le ferons pas. Parce que nous sommes son épouse. Nous sommes une partie de lui. Nous avons son esprit. Oh Père bien-aimé, laisse au Dieu Tout-Puissant que chacun de tes enfants puisse recevoir cela dans son cœur. Et qu'il marche aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, à partir de ce soir, qu'il marche comme un soldat de Christ. Oh, merci Seigneur. Père bien-aimé. Père céleste. Éloigne de chacun de tes enfants le découragement, la peur. Oh, roi des rois. Tu nous as tout donné, Seigneur. Ce message renferme tout. Tout se trouve dans ce message. Si nous demeurons dans ce message, si ce message demeure en nous, tout ce que nous demanderons à Dieu nous accordera cela. Seigneur, quel est le cœur qui peut croire à ça ce soir? Quel est le cœur qui peut avoir la foi à cela? Oh Père. Oh Tata. Te sommes reconnaissants, oh Dieu Tout-Puissant. Pour ta bonté, ta miséricorde. Et ton amour à notre égard, Seigneur. Bénis cette parole dans le cœur de chacun, Seigneur. Éloigne l'oubli, oh Dieu Tout-Puissant. Éloigne l'amnésie spirituelle. Que tes enfants soient réveillés et éveillés. Oh, gloire à toi, Père. Pour voir ce que tu as fait pour eux, Seigneur. Bénis le vase que tu as utilisé ce soir, Seigneur. Bénis sa famille, oh Dieu Tout-Puissant. Bénis son église, oh bien-aimé Père. Oh roi des rois. Le Seigneur de Seigneurs. Quelle joie de savoir que nous possédons toutes choses et que nous pouvons réclamer cela à tout moment et nous aurons cela. Merci Seigneur. Laisse que chacun de tes enfants sorte de cet endroit avec cette parole dans son cœur qu'il possède toutes choses et qu'il a tout en lui. Oh, merci Seigneur. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit loué et glorifié à jamais. Merci le roi des rois. Merci le Seigneur des seigneurs. Nous sommes arrivés à la fin, Seigneur. Rentre avec chacun de tes enfants, Seigneur. Que chacun demeure dans la foi. Et que tous les malades aujourd'hui, Père bien-aimé, qu'ils soient guéris au nom de Jésus-Christ. S'il y a quelqu'un qui a eu un problème quelconque, qui l'a tourmenté dans sa vie, Père, il reçoive la délivrance ce soir. Oh, gloire à Jésus-Christ. Et chasse le doute à chacun de tes enfants. Seigneur. Merci Seigneur. Père bien-aimé.
Nous avons les paniers devant nous. Nous complétons le service. Sanctifie les seigneurs. Bénis chacun de tes enfants. Il mettra quelque chose. Oh, Père bien-aimé. Soutiens chacun de tes enfants, Seigneur. Assistez chacun de vos bien-aimés. Dans nos faiblesses immenses, Seigneur, fortifie-nous, Dieu Tout-Puissant, pour que nous puissions regarder à toi, ne pas regarder au monde et à ce que le diable nous présente. Si grave que cela soit, que nous puissions regarder seulement à toi, comme les enfants d'Israël. Je regardais au serpent des reins et ils sautaient toujours vainqueurs. Merci Seigneur. Merci le roi des rois. Merci le Tout-Puissant. Merci le Seigneur des Seigneurs. Sois béni, sois loué à jamais. Sois glorifié à jamais, Seigneur. Au nom merveilleux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ notre Dieu. Amen, 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 amen. Glorie. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Frère Tite Katanga. Et la sœur Mireille Kimbeti. Si vous êtes là, venez ici devant. Amen, 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 amen. Glorie. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ notre Dieu. Vous avez devant vous le frère Tite Katanga et la sœur Mireille Kembeti. Ils sont fiancés. Le mariage aura lieu le dimanche 11 août 2019. Nous vous les présentons ce soir. Pour ceux qui les connaissent, si vous connaissez un problème quelconque qui est biblique et qui est valable, qui peut nous empêcher de les unir ici le 11 août, Alors passez au bureau pour nous en parler. Ok. Frère Tite et Sœur Mireille, pouvez aller vous asseoir. Nous avons une réunion demain, une réunion des ministres. Lobby Tozalina Liangani Yabatei. Vous avez un ministre voisin, dites-lui ça. Nous avons la réunion à partir de 10h. Ok. Nous allons chanter pendant qu'on est en train de prélever les offrandes. Quand les vols de la tempête viennent assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits des dieux, compte les bienfaits des dieux. Mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Oh oui, compte, compte les bienfaits des dieux, mets-les tous devant tes yeux, rentrez dans la paix, tu verras. En adorant, combien le nombre en est grand. Quand sur ta route glissante, tu chancelles sous la croix, pense
grâce à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Oh oui, compte, compte les bienfaits des dieux. Mets-les tous devant tes yeux. Tanganyon soye a salaki. Tanganyon so tika mokote. Solo yoko kamwangoni.